Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser un document PDF ou Word que tu as déjà fait et le transférer dans Google Slides pour le partager avec tes élèves. Donc, première des choses, une fois que tu es dans ton compte Google, tu vas lancer l'application Disk, donc le nuage de Google. Puis, tu vas accéder au dossier où tu désires mettre ton document. Donc, une fois que je suis dans le dossier que je désire enregistrer mon document, je fais Nouveau, Google Présentation, donc Google Slides. Je sélectionne les boîtes de texte, je supprime, puis je vais donner un nom à ma présentation. J'ai donné un nom aussi à mon dossier. Je vais maintenant aller modifier le format de la diapositive. Dans Fichier, je vais aller dans Configuration de la page. Et je vais choisir une configuration personnalisée. Donc ici, j'ai choisi les dimensions d'une page 8,5 par 11 et je fais appliquer. Maintenant, il faut aller récupérer notre fichier. Donc, je vais récupérer mon document PDF qui est ici et je vais l'ouvrir. Puis, je vais l'imprimer en image. Donc, fichier, imprimer. On sélectionne dans les imprimantes l'imprimante PDF Creator. Et comme je veux mes images en couleur, je vais m'assurer d'avoir décoché l'option noir et blanc et je fais imprimer. Donc ici, on va modifier le profil. On peut choisir JPEG ou PNG, deux formats d'image, et on fait enregistrer. Donc maintenant, je dois sélectionner à quel endroit je veux mes images. Donc ici, je vais sélectionner dans mon dossier ici et je fais enregistrer. Donc j'ai l'aperçu de la première page, donc ça a fonctionné. Je retourne dans mon Google Slide ici, bouton droit dans la diapositive. Je sélectionne Modifier l'arrière-plan dans le menu contextuel. Ici, je vais sélectionner l'image. Je reste dans l'option Transférer parce que je désire récupérer l'image qui est sur mon ordinateur. Je fais Parcourir et je vais aller sélectionner la première page ici de mon document. Donc voilà, mon image est apparue. Je vais ajouter une nouvelle diapositive et je vais choisir l'option Vide. Je retourne bouton droit, modifier l'arrière-plan. Je retourne sélectionner l'image. Je vais parcourir sur mon ordinateur et chercher la page 2. Donc, je continue comme ça. Si je veux avoir un meilleur aperçu, il est possible d'effectuer un zoom. Donc, je vais ajouter une nouvelle diapositive vide, mais cette fois-ci, je vais insérer mon questionnaire. Donc, voilà, mon questionnaire est maintenant dans ma diapositive. Donc, pour l'élève, il lui suffit pour répondre d'ajouter une boîte de texte et de venir écrire ici. Idéalement, je vous recommanderais d'enlever les lignes du visuel. Ça serait peut-être plus simple pour l'élève, mais... L'élève pourrait également modifier l'arrière-plan de sa boîte de texte pour faciliter son écriture. Finalement, selon l'outil utilisé par l'élève, si c'est plutôt une tablette qu'un ordinateur, l'élève pourrait insérer de l'audio ou de la vidéo comme réponse. Donc, moi, présentement, je suis sur un ordinateur. Donc, si je sélectionne l'option, on verra qu'on doit d'abord avoir enregistré avec un autre outil pour pouvoir insérer le fichier audio. C'est la même chose dans mon cas avec la capsule vidéo.